C'est tout le monde, c'était... Ouh, que tu veux, je l'ai fait. Et ça bug de ouf. Et un mec des links. Tout va bien, tout, rien ne va bien. Rajoute que c'est pas TP, j'ai 80 FPS. Tout va bien. Ok, j'ai une pomme. Donc on a 48 flèches parce que ça drop... y a pas, est-ce que ça drop pas de flèches et on peut pas crafter en fait. Pour que ce soit pas trop OP genre avec les grappins. En 0 il y a des grappins qui sont donnés. Alors bah c'est comme les grappins de l'attaque distant. Donc on peut se TP de loin, on se TP là où on tire la flèche quoi du coup. Voilà. Enfin, si je vais commenter, en vrai cette fois je vais plus commenter que mes dernières RR, bah, que Harry Potter par exemple. Mais pour dire que je vais commenter un peu même en jeu. Parce qu'avant je commentais pas en jeu. Donc j'ai la possibilité de faire. Au revoir. Donc ah ouais vu que c'est pas un prix de game, il a pas donné de livre, ça c'est cool. Ça change des games où il te give tout dès le début. Des livres, des pioches sans citron et tout. AOTVHC, je m'appelle Total AOTVHC parce qu'en fait c'est Donald, j'ai un skin AOTVHC, je sais pas où c'est. Du coup en fait c'est parce que j'ai pas voulu changer mon skin de mon compte principal du coup. Changer de compte carrément. Je me suis dit ouais, quitte à changer de skin, autant changer de nom. En vrai c'est un compte que j'utilise parce que plus jamais. Ouais donc pendant que je vais chercher la canne dessus, je vais parler un peu du scénario. Donc il y a trois camps, il y a les titans, et... Enfin non, peut-être pas comme c'est pas les titans. Je fais des wow dans mon truc, je remonte ce que j'ai gardé dans mon thème. Donc pendant que je cherche de la canne à sucre, je vais vous parler du scénario un peu, donc il y a trois camps, donc il y a les soldats, avec rôle soldat, donc je sais pas combien il y en a, on verra l'annonce de rôle. Mais vu qu'on est 28, il a dû mettre 4 soldats. Donc en fait c'est un rôle qui sert à rien au début, mais dès que le titan bestial a déclenché son cri, les soldats se transforment en... Soit en titan, ils rejoignent carrément le camp du titan. Ils étaient assez proches du camp bestial pendant un certain temps, ils se transforment en titan. Et sinon, ils se transforment en rien du tout, genre en soldat, ils restent soldat quoi, mais ils ont juste force 1. Il y a pas mal en fait, comme ça permet d'avoir un rôle pas inutile. Donc voilà, il y a ça, il y a aussi Erwin Armin qui peut voir les inventaires des gens. Je dis de tête, hein, parce que moi j'ai pas fait vraiment beaucoup de games, j'ai eu le doc quelques fois, j'ai fait deux games pas ouf. Il y a ça, en gros, chaque rôle, en fait, je vous laisse le doc dans la description, je vous laisse l'intro. Donc voilà, il y a ça. Et quand même. Voilà, il y a Annie dans les gentils, je sais toujours pas pourquoi, même si moi je suis à jour dans les scans. En fait, le scénario spoil un peu les scans, donc vous avez arrêté la scène 3 de l'animé, ça peut spoiler 2-3 trucs, mais vraiment, c'est pas grand chose. Comme il dit, vous avez pas le contexte et tout, parce que en vrai, même moi je suis à jour dans les scans, et je comprends pas pourquoi ils ont mis Annie dans le camp des gentils. Bon. En vrai, je crois que c'est juste parce qu'avant il y avait le titan de Eren et maintenant ils l'ont mis dans rôle solo. Puis Eren a un rôle solo maintenant. Il a des effets OP. Dès qu'il tue quelqu'un, non, dès qu'il tue un shifter, il gagne son effet. En gros, c'est ça. En vrai, c'est trop. Après, il y a quoi? Il y a. Ouais, du coup, il y a le camp des titans. Ça, c'est vraiment. Petit titan, grand titan. Il y a juste ça au début. Et il y a aussi le titan bestial. Mais sauf que les titans ils connaissent pas le titan bestial, donc c'est ça le problème. Et en gros le titan bestial, il... ah oui, quand les titans sont près du bestial, il a force, donc c'est comme ça qu'ils savent que le mec est avec eux. Donc voilà, il y a ça. Et le bestial, du coup, je dis, il doit faire un cri, ça va déclencher les gens. Putain, tu es en 1600! What the fuck, tu es en moins 1600? Ah bah d'accord, je vais mettre une heure avant de rejoindre les centres, moi. Et merci la musique de Minecraft qui fait de la musique d'ambiance, pas besoin de faire du montage. Donc ouais, il y a les titans bestiales, je disais. Voilà, le dernier camp, c'est les shifters. Alors, il y a cuirassés, charrettes, tout ça. En gros, c'est tous les humains qui sont sur mon titan. Voilà, tout ça, tout ça. Allô ? Non, on parlait du scénario, on parlait de la même chose, quoi, c'est incroyable. Ah ouais. Mec, ça va ? Ça va, toi ? Ouais, on parlait du titan bestial, quoi, c'est le rôle le plus important. J'ai expliqué toutes les nouveautés. N'est-ce pas, Speedy Ruben, c'est le rôle le plus important, le titan bestial. Ah ouais, c'est le plus important. Hein, t'as pas du tout oublié de faire un truc, non, dans Riem, hein ? Le pire, mec, j'ai vraiment essayé, tu es Shazam la dernière fois. Ah ouais, il m'a raconté, ouais, il m'a dit qu'il t'a fumé pendant que tu faisais la commande, c'était pas cool. Là, je me serais transformé en titan, la game aurait changé. Bon, t'étais soldat en plus, toi, non? Mais oui. Et en plus, on était resté à 24 ensemble. Je voulais transformer. Mais ouais, j'aurais retourné la game parce qu'en plus, il y avait, tu sais, il y avait un mec, il était Armin, il m'avait spec et il savait que j'étais soldat, tu vois. Ouais. Donc il avait 100% confiance en moi. Et du coup, bah, j'aurais pu le retourner si tu m'avais transformé. Ouais, en fait, ça aurait tellement, on aurait retourné la game en fait, j'avais crié au bon moment. Ouais, ouais, mais bon, Shazam, il a pas eu le temps. La game. Bah ouais. En vrai après, je pense que j'aurais été dans la merde hein, parce qu'il y avait plus beaucoup de titans normaux, je crois. Ouais,
bah en vrai non, je crois qu'un ou deux qui étaient morts avant que je meure. Ah oui, ouais, c'est vrai que c'était. Ouais, t'es mort avant tout le monde en fait. Et en fait, il y avait pas que toi, il y avait un autre aussi. Ouais, ouais, Duno. J'aurais infecté. Ouais, Duno, il est chaud en plus. Ouais, ouais. On aurait eu deux quoi. Ah ouais, putain. Bah, espérons que ça se passe comme ça ici, si on est titan. Non, justement, espérons que ça se passe pas comme ça. Bah, si on est titan aussi. Non, mais pas. Non, mais que oui, que tu puisses crier quoi. Enfin, que le titan bestial crie. Vraiment, moi j'ai fait deux games, les deux games, le titan bestial a pas crié, ça m'a saoulé. Ah merde. En étant soldat, bien sûr, sinon c'est pas drôle. Ah merde. Voilà, je raconte ma vie, les mecs qui regardent la vidéo ils vont rien comprendre, mais au calme. Bah pareil, et moi ils entendent un chien qui aboie en fond donc c'est pas très intéressant. C'est pas grave, c'est des musiques d'ambiance et tout. Ah, merci pour les pommes mec, j'ai eu 10 pommes grâce à toi. Non, mais j'en avais déjà 5 avant. Ouais, ouais, ça drop bien. En cuir, j'ai pas, dommage. Ah bah tiens, attends. C'est vrai ? Attends. Non. Ouf. Oh merci, t'es trop le bro. Quête mec. Je retiens, genre si je suis méchant, franchement, je te tue pas. Yes, bah voilà, c'est comme ça que ça marche, on fait les alliances. Voilà, ils disent quoi, attends ? Zéro mob passif si. Si, ah, si. Ah, si, si, si. Ah, si, tout est UHC le dit, franchement, ça doit être ça. Bah, ouais. Ah là là. Bon, bah, du coup, merci, hein, je vais miner sereinement grâce à toi. Vas-y, bah, t'inquiète. À toutes, hein. Bonne game. Mec, ouais, bien sûr. Ok, c'est bon, je note si je vais pas le tuer. Je note dans mon carnet. Je note. Voilà. Je vous préviens, là, je parle beaucoup de ouf parce que genre, j'ai des trucs à dire, mais ça va être comme Avengers sur c'est bon, hein. L'épisode 1 il va durer 20 minutes, l'épisode 2 2 minutes quoi. C'est vraiment, dès l'épisode 2, je vais parler de mon rôle, après je vais rien dire parce que vraiment ça va être les mines quoi. Ça va être les minages quoi. Donc. Voilà, donc en vrai c'est un peu con, comme cas, pas de vache. C'est un dernier game d'AOT. Derrière il a kiff du cuir, bon bah au calme. Hein. En vrai j'ai large le temps. Ah oui, parce que si. Ah oui, oui, faut le dire ça. Vous voyez les coordonnées, mais en fait c'est pas. Le centre c'est pas le 0-0. Le centre il est genre en moins 300, moins 800, parce qu'on sait pas. Comme ça les gens ils arrivent pas de soi en même moment. Du coup, c'est pour ça qu'on a droit aux coordonnées aussi. Et du coup, en fait, c'est une barre dans le chat. Ouais, c'est juste, en fait, c'est comme dans les LG, c'est les barres avec la couleur. Sauf que là, le problème, c'est qu'il n'y a pas écrit vous êtes entre 300 et 600. Et j'ai écrit la couleur. Donc, moi, vu que je comprends pas trop les couleurs, bah, j'ai un peu galéré, mais bon, tranquille, on verra. J'espère que je vais trouver mes cancaves, il va me guider comme dans mes dernières games. Par contre, maintenant, faut vraiment que je trouve une cave parce que là, je me balade pour rien. Voilà, sinon skin AOT, franchement, ça fait bizarre d'avoir une main différente parce que moi j'ai jamais changé de skin sur mon compte principal. Vraiment, là, ça fait tellement bizarre d'avoir mon skin modifié. Mais bon, je garde quand même l'honneur de jamais avoir changé mon skin sur mon compte principal. Voilà. Et personne, tout le monde s'en fout, mais merci à moi pour mon palmarès. Voilà. Voilà une vraie grotte. Bon, est-ce qu'il y a fast melting ou pas? Non. C'est vraiment l'époque de nos grands frères. Franchement, pas mal, pas mal. En fait, mon pack, c'est le Blue Pack by Gaudi. Une dédicace à Gaudi qui est actuellement confiné en Espagne, au LM. Voilà. Passe Blue Pack by Gaudi. C'est aussi un pack de l'époque de nos grands frères, hein, comme on dit. Vraiment, il a une ride le pack, je trouve. Une petite revue de pack pendant le diamant, j'espère qu'on sait qu'il est vraiment beau. En plus, il a une couleur bien différente du fer, comme ça, pour un daltonien comme moi, c'est cool de différencier les armures en fer. Parce qu'il y a vraiment des packs où je fais vraiment pas la différence entre le fer et le diamant. Ouais, des fois en minerai même, hein, genre le Icy Pack de Matox va coûter du diamant hein, parfois. Hein, genre le diamant, pour moi, il a vraiment la même couleur que le fer, mais genre même en minerai. Donc c'est pour ça que le Blue Pack by Gaudi, vous verrez quand il y aura du diamant, ben il est vraiment parfait pour les daltoniens. Mec, c'est une PSP, un pack pour les handicapés. Parti, franchement. Voilà, c'est un pack. Et les carottes en or, ben en fait elles sont en or, donc c'est parfait. Les épées, en vrai même les épées en fer, je trouve, elles se différencient vachement des épées en stone. Parce que j'avais vraiment pas du troll, hein, parce que il y a des packs où pareil, il y a des épées en stone et des épées en fer, j'arrive pas à les distinguer. Voilà, en plus là je trouve dans ce pack là, c'est les murs en fer, elles sont proches des armures. Ah non, en fait, non. J'ai rien à dire. Genre là, elles sont pas du tout comme les armures de base. Alors quand je l'ai crafté, j'ai cru, mais non, en fait, c'est pas du tout les armures. Mais en vrai, le pack il change pas trop de d'habitude, donc c'est. Et pas ce côté un peu genre la pioche un peu lisse. Non, pas du tout. Justement, pas lisse en fait. Peut-être que ce soit pas lisse, mais en mode gros tas comme ça. Je sais pas comment dire, mais en fait, ça me rappelle une époque. Ouais, je fais un peu l'ancien, mais en gros, ça me rappelle l'époque des débuts de Epicube. Non, des milieux d'Epicube.
Du plein essor depuis que. Où j'avais toujours des packs comme ça, genre un peu gros quoi, tu vois. Voilà. C'est tout. Bref, il n'y a plus de cave, je crois. Ouais. C'est comme ça. Et dans pas longtemps, il y a les rôles, dans 30 secondes. Donc voilà, bon, on verra dans 2 jours pour les rôles. Ouais, je fais des vrais outro de youtubeur, j'ai changé. Je deviens bon plus super. Hein. Bon, là, il n'y a que du 120p, mais bon, c'est normal. Dès que le confinement est fini, je serai sur mon PC fixe, on pourra faire une vidéo en 1080p. Incroyable. Voilà, je raconte ma vie. Dans 10 secondes, c'est la fin de l'épisode. Et voilà. Je vais pouvoir faire une intro en mode à plus tout le monde. C'était Totem.